Chers amis africains, chers compatriotes camerounais, amis téléspectateurs, vous êtes sur les antennes du média populaire africain. Il devrait pouvoir choisir sans hésiter un bon joueur pour tirer ce pénalty. Et c'est là le plus grand suspense de ce match politique. On sait que c'est un lion de 185 ans qui est au goal. Il est là! Il est là! Paul Francis est là! POL 36 est là, il prend place dans la cage des Toudis, sans ces créatures qui convoitent désespérément sa place. Le voilà, POL 36, Paul 36, il est là. Nous apercevons maintenant le tireur de pénalty qui continue de s'échauffer. Nous essayons de le rattraper pour offrir son visage au monde entier. Mais qui est cet homme? Qui se cache derrière cet homme au pas déterminé? Mais qui est cet homme? Qui est cet homme déterminé et appliqué? On ne va pas tarder à le savoir. Qui est-il? Il accélère. Il est plein d'allure. Il est plein d'énergie. C'est Kento 18. C'est cet homme d'expérience aussi. C'est cet homme bardé de combats victorieux qui porte l'espoir de tout un peuple au bout de sa godasse. On n'y croyait pas plus que ses godasses et son maillot ont été brûlés au nord du pays par des créatures du Créateur. Il est là, Kento 18, il ne s'en laisse pas compter. Il s'échauffe, il est prêt. Il a dit que son pied ne tremblera pas, il ne va pas trembler. Nous voici à l'heure H, à l'instant T, c'est le jour J. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun, de Bakassi à Kérosi. Le co-constitué Paul Francis s'entretiennent sans gêne sous les caméras. C'est interdit par la loi, mais le lion règne en forêt sans partage. Il n'y a qu'une assemblée de chasseurs pour le traquer. Et cette assemblée populaire est derrière Kento aujourd'hui. Le tireur de pénalty se lance. Kento 18, Kento 18. Le ballon est en train d'être ramené au centre. Quel changement subit de la constitution. Le ballon est ramené au centre. Ce n'est plus un 11 mètres, c'est un 50 mètres. Si on t'explique le Camerounais que tu comprends, c'est que tu es un génie. Je n'en suis pas un, donc je ne comprends rien à ce renouveau du pénalty. Paul Francis est confiant. Kento aussi. C'est reparti pour l'homme du changement dans la paix et pas les urnes. Il a dit que son pied ne tremblera pas. C'est le moment. Attention, à plus de 50 mètres, Kento 18 s'élance face à Paul Francis, le Nkunkuma. Le tireur de pénalty se lance. Kento 18, Kento 18, il se fige. Il y a dédoublement du gardien dans les goals. Ce pénalty n'est pas pour apprenti sorcier. Le natif de Baham essaye d'y voir un peu plus clair. Il a dit que son pied ne tremblera pas, son pied ne tremble pas. Le ballon a été ramené au centre, mais dans l'esprit du défenseur de Bakassi, il est présent au point de pénalty. Il se concentre. En traversant tout le Cameroun, il a démontré aux ethno-fascistes qu'un Camerounais est partout chez lui. Et ce n'est pas la couleur Bamileke qui est face à l'histoire. C'est le vert ou jaune qui brave la pluie à l'instant pour ramener le soleil à ses enfants. L'homme du changement par la paix dans les urnes s'est lancé. Kento 18. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 5 chantiers de la Renaissance pour reconstruire le Cameroun. Le ballon subit des attaques métaphysiques dans les airs. Tant de vibrations essaient de le dévier de sa trajectoire. Nous sommes rendus à la 25e minute.
Kemto reste concentré sur l'objectif. J'espère que chaque téléscrutateur a sa torche pour suivre la trajectoire du ballon. Même en anticipant sur les techniques de 2035, nous n'arrivons pas à ralentir ce ballon du professeur qui fonce sur un vieil homme ténace. C'est un missile 18 qui fonce sur un immortel. Le Kunkuma se déploie. Paul Francis est dans les airs. Ses rhumatismes ne sont pas un problème. Kemto se veut rassurant. Le vieux lion manque la balle de justesse. Il faut un dernier geste du Kunkuma qui ressort le ballon. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le co-constitué félicite Paul Francis. Quelle parodie d'arbitrage. Kemto demande l'assistance vidéo. Le CC refuse. Kemto insiste. Il veut le changement dans la paix. C'est pour cela qu'il ne donne pour l'instant aucune consigne au peuple. Le CC revient sur sa décision et sollicite l'assistance vidéo. C'est dedans. Échappe au doigt expérimenté de Paul Francis et rebondit derrière la ligne. Le peuple a triomphé. Kemto a triomphé. La Renaissance a triomphé. Le peuple a triomphé. Kemto a triomphé. La Renaissance a triomphé. Avant de prendre le chemin de Boya et de Bamenda, Kemto présente ses deux mains au ciel de Dieu pour appeler à l'unité. Kemto 18. Kemto 18. Le corps constitué prend la fuite pour sauver son corps. Nous n'accordons pas ce succès seulement au crédit du phénomène Kemto, mais à tous les autres candidats qui ont mobilisé le peuple. Le plus difficile commence alors qu'on revoit ce ballon fendre l'espace, fendre les ténèbres pour ramener le soleil à Bamenda, à Boya et au Cameroun tout entier.